Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ce que c'est une phrase négative. Alors, concentrez-vous sur ce que je vais vous expliquer et vous allez voir, c'est super facile. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur la notion de la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? La phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation, un point d'exclamation, ou les trois points de suspension. Il existe quatre types de phrases: déclarative, impérative, exclamative et interrogative. Les quatre types de phrases peuvent être à la forme affirmative ou à la forme négative. Qu'est-ce qu'une phrase à la forme affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative? Soyons plus clairs. La phrase affirmative s'utilise pour dire oui, c'est-à-dire lorsqu'on veut dire que c'est vrai ou quand on est d'accord. Par contre, la phrase négative s'utilise pour dire non, c'est-à-dire lorsqu'on veut nier ou pour dire qu'on n'est pas d'accord. Pour mieux comprendre, regardons cet exemple. Papa conduit prudemment. Pour transformer cette phrase qui est à la forme affirmative en phrase à la forme négative, on ajoute « ne pas » les mots de négation. On obtient alors la phrase suivante « Papa ne conduit pas prudemment ». Comme vous voyez, on peut facilement transformer une phrase à la forme affirmative en phrase négative et vice-versa. Comment reconnaître une phrase négative? C'est facile. Dans une phrase négative, il y a toujours des mots de négation. Portons notre attention sur ces exemples. Il roule sur le trottoir. Il ne roule pas sur le trottoir. Ici, les mots de négation encadrent le verbe. Il n'a pas roulé sur le trottoir. Les mots de négation encadrent l'auxiliaire. L'adverbe « ne » est accompagné généralement d'un deuxième adverbe de négation. Par exemple, tu es sérieux, tu n'es pas sérieux. Je parle toujours français, je ne parle jamais français. Elle voit tout, elle ne voit rien. Sarah veut encore jouer. Sarah ne veut plus jouer. Je vais quelque part. Je ne vais nulle part. Quelqu'un m'appelle. Personne ne m'appelle. Une petite recommandation. Ces phrases, mémorisez-les et prenez plaisir à les réutiliser. Created using Powtoon.